Vas-y. Salut, c'est Guy, le Cluse, et je fais un petit coucou à tous, FG, reportage. Tout de suite. Merci. Non, bien sûr. Elle va parler, elle est dans le film, le rôle féminin principal. Elle joue justement la sœur de Kat. Elle était dans je l'ai découvert quoi, dans un plan parfait. On a tourné ensemble, je jouais la sœur de Glenn Kruger. Et puis, je l'ai vu au théâtre aussi, avec une pièce. Voilà, et elle a le rôle, son premier rôle principal féminin en cinéma, c'est Alice Paul. Merci Alice. On va maintenant... Il y a un petit mot. Elle vient de loin, elle vient de Marseille. Elle est pas ça, de quoi. Oui, je suis marseillaise. Non, mais je suis quand même venue à la voiture. Merci pour votre accueil, c'est très émouvant. Voilà. Je suis très heureuse d'être dans ce film aux côtés de Dany et de Kat et de tous les autres copains acteurs. Et voilà, c'était, vous verrez, j'ai eu beaucoup de chance. C'est un très beau rôle féminin. C'est rare en France dans une comédie d'avoir un rôle comme ça pour une fille. Voilà. Qui soit juste la copine du monsieur. Et voilà, je suis très heureuse de ça et à l'affiche. Voilà. Merci. Oui, bien sûr, il y a du fond. Non, c'est en écrivant, simplement quand j'écris, je me laisse porter par ma sensibilité, mon imagination. Que j'ai fait là, que je voulais emmener le thème de l'hypocondrie à partir du moment d'abord c'est dès que ça se règle, c'est très vite, c'est pénible parce que se plaint tout le temps, voir un personnage qui se plaint tout le temps, c'est insupportable, lui, il essaie de changer, c'est ce qui le rend sympathique. Ouais, je me suis dit, il faut pas que j'ai des soifs, quoi, parce que c'est toujours formidable et... déplacer, de réussir à faire déplacer des gens et dans une salle de théâtre ou de cinéma et c'est un spectacle et les rires quand on est dans une salle à plein, c'est pas la même chose quand on est chez soi, donc c'est pour ça que le cinéma ou le théâtre ont encore